pense que j'ai trouvé ce paysage effroyable. J'étais bien jeune alors. Aujourd'hui, je pourrais faire ce chemin les yeux fermés. Chaque rocher doit nous connaître. Oui, mais on ne sait pas ce qu'il dissimule. La foi des pèlerins qui nous protège, un vrai bouclier. Seulement, à ce compte-là, l'existence est devenue monotone à pleurer. On se rouille et on s'ennuie ferme. Les Turcs ! Oui, mais avant, laisse pas trancher deux ou trois têtes. Fais ce que je te dis, file, le temps presse. Quelques chiens de chrétiens se font massacrer. C'est la mort. Il a le feu et la fureur du tigre. Curieuse façon de se battre, mais efficace. Je ne vois qu'un seul homme dans toute la Palestine qui sache manier le fer avec un tel courage. Thibaut, le chevalier blanc. Maman, dis-moi. Qui que tu sois, merci. Dieu soit loué, les Templiers. Les Templiers, nous sommes sauvés.
tu, Thibault ? Ils l'ont emmené, ton maître. Ah, les mécréants, où est-il ? Pourquoi ils l'ont emmené ? Un morceau de flèche est resté dans la chair. Il va falloir l'extraire. La souffrance sera aiguë. Tiens, Mohamed. C'était un ange, messire. Un ange du ciel. Oh, si vous aviez vu comme il s'est jeté dans la mêlée, avec quel courage. Il était beau, glorieux et fier, comme l'archange Gabriel. On aurait dit que Dieu lui-même l'avait envoyé du haut de son ciel pour secourir ses enfants malheureux et les délivrer de leur peine. Je suis sûre que c'était notre Seigneur en personne venu pour nous sauver. Je l'ai vu. Il était vêtu d'un long manteau blanc et accompagné de deux anges noirs. Oh, des anges terribles et sauvages. Ils ont tranché les têtes de trois Turcs, là, devant moi, avant que j'aie eu le temps de réciter un Ave Maria. Ton ange, si brave et courageux, c'était un Turc. Un Turc ? Que dites-vous là, messire ? Vous blasphémez. Un ange tout de blanc vêtu a emporté notre Thibault, une fois que les Turcs l'ont eu blessé. Par la barbe de Saint-Joseph, nous le retrouverons. Foi de Blanchot ! Je me ramènerai avant qu'il ne soit changé en archange. Je te remercie. Suis-je au paradis? Anna Fitchana. Le paradis des infidèles. Je distingue mieux les choses. Anna Prir. Tu parles notre langue aussi bien que nous. Je suis venu au monde dans ce pays. Je m'appelle Assad et mon père vénéré est cheikh des Banu El Usud. Et voici Halima, qui sera mon épouse. Pourquoi m'avoir aidé ? Il y a longtemps que j'avais le désir de te connaître. Et quand enfin j'en ai eu l'occasion, les Turcs allaient te tuer sous mes yeux. Crois-moi, si tu n'avais pas été là, j'aurais laissé les événements suivre leur cours sans intervenir. Tu aurais fait cela ? Bien sûr. Je n'aime pas les soldats francs, pas plus que je n'aime les Turcs. Tous sont des bâtisseurs d'empires cupides et ambitieux. Ils se soucient d'eux-mêmes. Uniquement. Leur âme est vaine et superficielle. Ils croient en empilant des pierres, édifier des cités, que le temps retournera au sable un jour ou l'autre. Nous, les Bédouins, c'est avec le vent que nous galopons dans le désert. Ni palais orgueilleux, ni fausse gloire nous encombrent. Nous sommes nomades. Nous existons depuis le commencement des temps. Et nous continuerons d'exister aussi longtemps que le soleil chaque jour se lèvera à l'horizon. Nous regarderons vos prestigieuses civilisations se réduire en poussière autour de nous. Assad, je te dois la vie. Mon roi te paiera pour moi une forte rançon. Mais tu n'es pas mon prisonnier. Tu es l'hôte très honoré du prince blanc. C'est toi le prince blanc ? Oui, je le suis. Et je sais qui tu es. Le chevalier blanc. Mon frère.
Alors, le vieux derviche ouvrit les portes du temple et dit, qui que vous soyez entré, que vous soyez infidèle, païen, que vous adoriez le feu, que... car c'est la maison de l'espérance. Auriez-vous péché un millier de fois? Rassure-toi, Ibrahim. Ton histoire est belle et ton auditoire nombreux. Oui, mais je n'ai pas fini. Attends, je n'ai pas fini mon histoire. On voyage avec des rêves bien mieux qu'à dos de chameau. Ibrahim, écoute, sais-tu que Thibaut, mon maître, a disparu? Peut-être. Mais mon histoire n'est pas terminée. Ton histoire est terminée. Il n'a pas fini. Histoire est finie. Mais c'est pas vrai. Vous allez vous taire? Écoute, des hommes tels que Thibaut, c'est leur destin. Ils disparaissent tous un jour ou l'autre. Cela ne doit pas te surprendre. Nous disparaîtrons nous aussi avec cette différence que les guerriers nous précèdent. Mais Thibaut n'est pas mort. Thibaut a été enlevé par un arabe. Toi, Ibrahim, tu es le seul homme dans Jérusalem qui puisse arriver à savoir où il est. Rappelle-toi, Ibrahim. Rappelle-toi qu'une fois Thibaut t'a sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Je me renseignerai. Fais diligence, sa vie est peut-être en danger. Il est exact que vos médecins sont plus savants et plus habiles que les nôtres. En fait, ce sont eux qui m'ont enseigné tout ce que je sais. Mais toi, Assad, n'arrêteras-tu jamais cette perpétuelle errance? Tu pourrais vivre dans un palais si tu le voulais. Un palais? Un palais est une prison, Thibaut. Celui que nous possédons nous ravit. Il a pour toi le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Ses cours et ses remparts sont le sable et le vent. Dans ce palais, nous sommes libres. Non, car c'est une liberté bien illusoire que la vôtre. Vous êtes les esclaves de vos chevaux, de vos ânes et de vos chameaux, et vos routes doivent passer par les points d'eau du désert. C'est juste. Mais nos chameaux nous portent où nous le désirons, tandis que vous, vos trésors, vous entraînent. Ce sont des chaînes que vous vénérez comme des dieux. Non, mes vrais trésors sont l'amitié, l'amour, la liberté. Et je suis un homme comblé, puisque je possède toutes ces richesses. Qu'Allah, dans sa sagesse, soit remercié. Et que le dieu que tu adores le soit aussi. Où est Thibaut? J'ai interrogé les voyageurs, les chameliers des caravanes. Ils ont vu ton ami, il est avec les Banois Loussoud. Où sont-ils? Aujourd'hui ici, demain là-bas. Ce sont des nomades, les seigneurs du désert. Ils sont très riches. Ils ne nous aiment pas. Pas plus qu'ils n'aiment les Turcs. Arrête de parler pour ne rien dire. Réponds à ma question, où sont-ils? Mais alors, pourquoi combattu, Thibaut? Tu n'es pas comme les autres francs qui sont cupides, ignorants et frustes, dont la puissance n'est acquise que par vol et pillage. Je combats pour ma foi. Il y a de mauvais chrétiens, tout comme il y a chez vous des musulmans fanatiques. On ne juge pas un troupeau entier sur une brebis galeuse. Nous pourrions épiloguer ainsi pendant des jours. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Mon frère Thibaut va bientôt nous quitter. Sa blessure est guérie. Je te serai reconnaissant toute ma vie. Je me refuse à ce que mes hommes risquent leur vie uniquement pour délivrer Thibaut des mains des Turcs. Il a des amis nombreux et influents. Qu'il fasse appel à eux. Mais je vous le répète, ce n'est pas les Turcs qui l'ont emmené. Thibaut a été capturé par les Banu Laoussoud. Les Banu Laoussoud. Ils doivent être dans le désert de Judée à présent. Certainement. Et ils sont fort bien armés. Ce sont de rudes cavaliers. C'est entendu. Nous les attaquerons, Blanchot. J'ai une vieille vengeance à assouvir envers cette tribu. Nous leur donnerons une bonne leçon. Et nous délivrerons Thibaut. Je te promets qu'il sera bientôt de retour parmi nous.
Je te laisse libre de choisir. Il est à toi. Un beau cheval, le désert pour y galoper, l'eau pour étancher la soif. N'est-ce pas le bonheur? Nous sommes frères maintenant. Je fais serment par Allah que jamais, aussi longtemps que je vivrai, je ne lèverai la main sur toi. Moi aussi, je le jure. Mais pourquoi n'ont-ils pas exigé une rançon pour Thibault? Ces pillards ne demandent jamais de rançon. Tous les prisonniers qui ne l'ont pas tué, ils les vendent sur le marché d'esclaves comme des bêtes. N'as-tu pas d'amis parmi les soldats francs? Je suis un étranger pour eux. Bien que je sois le fils d'un seigneur franc, je parle l'arabe et j'aime le soleil et le désert. Alors reste avec nous. Tu es un homme du désert, comme moi. Ici, Thibault, tu seras chez toi, avec le vent, le ciel et le soleil. Ton monde est ici. Non, Assad. Tu veux sacrifier toute ta vie à une idée? C'est justement ce qui nous rend doublement frères, car vois-tu, seule cette idée nous différencie. Et une idée, ce n'est pas tellement important, au fond. Le chemin qui mène de la terre au ciel est le même pour tous. Sauf qu'ici, peut-être, on se sent plus proche de Dieu. Toi et moi, vois-tu, sommes faits pour suivre ce chemin ensemble, Thibault. Arrêtez, cher père, arrêtez!
Thibaut ! Thibaut ! Thibaut ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu es fou, non ? Mais arrêtez ! Arrêtez ! Mais vous êtes fou ! Arrêtez ! Vous avez perdu la raison. C'est vous qui avez perdu la raison. Mais ce sont des Arabes. Ces gens-là m'ont soigné, m'ont sauvé la vie. Je vous en conjure, ne m'obligez pas à lever mon épée sur un autre chrétien. Assad. Assad. Où est Assad? Où est Assad? Assad. Votre croix signifie l'effusion de sang. La mort, Assad, mon frère. Cette femme était pour moi plus précieuse que ma vie. Et tout le sang des chrétiens en coulerait-il des fleuves ne parviendra pas à la venger. J'ai juré de ne jamais lever la main contre toi. J'en ai fait le serment. Et je tiendrai parole. Va-t'en, Thibaut. Va-t'en. Pars. Et que je ne te trouve plus sur mon chemin. Jamais. Thibaut, dis-moi ce qui s'est passé exactement. J'ai fait un rêve, Blanchot. Un rêve de soleil, de joie et d'amitié. Mais l'épée d'un soldat borné l'a détruit à jamais. Le vent du désert se lève.